Hello la team, j'espère que vous allez bien. Merci d'être toujours aussi nombreux à vous abonner, à suivre la chaîne Exafki. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus parce que c'est vraiment ce qui m'encourage au quotidien. Quand j'ai des petits coups de mou, en gros, je regarde un petit peu les stats, je regarde les pouces bleus, les commentaires et ça donne envie de continuer. Franchement, c'est plutôt assez sympathique ce qui se passe autour de cette chaîne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On va s'intéresser à plutôt comment bien se mettre en place ou en tout cas améliorer sa mise en place pour pouvoir travailler plus efficacement avant de se lancer et de lancer des pods, des choses comme ça. Il y a d'abord, voilà, pour bien travailler, puisque vous allez voir, on lance très très souvent les mêmes commandes. Alors moi, dans le cadre des vidéos, je taperai les commandes entières, mais l'idée, c'est d'avoir des raccourcis, des alias pour se faciliter la vie, parce que sinon, vraiment, vous allez taper beaucoup beaucoup de commandes et vous allez vous choper des tendinites aux doigts tellement vous allez taper souvent les mêmes commandes. Bon, ça c'est pour la petite boutade. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à installer l'autocomplete, les alias qui peuvent être utiles, moi en tout cas ceux que j'ai, et puis l'accès distant, puisqu'on ne va pas forcément taper toutes nos commandes du master ou des masters, mais on va les taper, on va vouloir les taper à distance, par exemple de notre laptop par exemple. Alors, première chose, l'autocomplétion. Donc pour l'installer, on fait un apt-get install de bash autocomplétion si ce n'est pas déjà fait. Donc moi normalement c'est déjà fait, je vais le relancer quand même. Hop, le bash autocomplétion, toc. Voilà, bon c'était déjà fait sur le master. Donc moi oui, moi je le fais sur le master, là c'est sur la machine sur laquelle vous travaillez, quoi. Donc pas forcément sur le master, mais vous pouvez le faire aussi sur les machines, je vous le disais, sur le laptop par exemple. Là on va copier, donc on va faire un echo, on va sourcer, donc on va copier le kubectl complétion bash, donc c'est un petit module en gros de kubectl qui permet d'activer l'autocomplétion et de permettre l'autocomplétion dans bash. C'est même plutôt une fonction, je pense. Et on va la rajouter à notre bash RC, ce qui fait que quand on va sourcer notre bash RC, eh bien, tout simplement, on va avoir l'autocomplétion disponible. Donc on va le faire. Donc là, si on veut tester avant et après. Alors je crois que j'ai déjà eu un bug une fois, mais on va voir. Hop, donc là, alors avant de le faire, hop, on va faire, voilà, si je vous fais un kubectl, donc là, forcément, la tabulation fonctionne. Mais là, si je fais un kubectl et que je tabule, vous voyez que j'ai rien d'intéressant. OK. Donc, on va sourcer et lancer la commande. Donc, je vais sourcer ensuite le point bashrc ici. Donc, voilà. Ensuite, donc, si je lance un cube, alors je vais peut-être avoir un bug, effectivement. Je suis en train de penser à un truc. Et si je fais une tabulation, non, ça fonctionne. J'ai le get. Hop, si je tabule encore, ici j'ai tout ce qui est possible de guetter entre guillemets. Donc si je fais comme ça, on va retrouver pod par exemple. Donc là, si je tape p, pods, voilà, hop. Ensuite, si on tabule, on a les pods qui tournent à l'heure actuelle sur tout simplement notre machine. Donc ça permet quand même de gagner plutôt pas mal de temps, vous allez voir, parce que taper tout ou faire des copier-coller, c'est pas franchement super fun. Donc voilà, première astuce, ou en tout cas, quoi, je veux dire, c'est quasi indispensable, c'est même plus de l'astuce. Deuxième chose, les alias. Donc moi, les alias que je me suis défini, donc je vais pas les remettre sur le master parce que je veux pas les utiliser justement pour pouvoir faire les vidéos, mais je vous mets la liste. En gros, la commande que vous allez taper le plus souvent, c'est de toute façon le kubectl. Donc là, moi, je mets un K et quasiment tout le monde fait ça. Ensuite, j'utilise un KCC donc, pour configurer le contexte sur lequel on travaille. Ça, on verra ça plus tard. Donc, on fait aussi très souvent des kubectl get, donc get node, get pod, get services, par exemple, etc. Donc, KG, c'est intéressant. Ensuite, si on veut lister tous les éléments qui sont montés sur notre cluster, on aura aussi KGA, donc kubectl get all tiret tiret all namespace. Donc je vous en parlais lors de la précédente vidéo, il y a un système de namespace, voilà. Le KGP, donc kubectl get pod, ça on l'a déjà fait. Kubectl get services, on reverra dans le détail hein, de toute façon tous ces éléments de définition. Là, le but c'est de vous dire, voilà, il y a une liste d'éléments que vous pouvez vous mettre dans votre bash RC et qui vont vous simplifier la vie. Donc voilà, je vous les donne. Alors, ensuite,
Donc ça, c'était pour le bash. Et maintenant, comment avoir un accès distant sur, donc on n'est pas sur, on veut pas être sur le master, on veut pouvoir se connecter sur le master pour lancer nos commandes. Donc là, ça va être assez simple. Donc là, je vais zoomer un petit peu. On va se mettre comme ceci. Donc première chose à faire, donc installer kubectl. Donc moi, c'est déjà fait, donc je vais pas le refaire. Donc pour l'install, on récupère la clé apt. On ajoute le repository. On installe kubectl. Ensuite, on crée un répertoire, peu importe son nom, mais un répertoire avec un point, de manière à ce qu'on ne puisse pas le voir directement. Hop, voilà, donc là, ça existe déjà, ouais, ok, je l'avais déjà fait, hein. Et ensuite, ce qui est super important, c'est de récupérer, en gros, le token qui permet de se connecter au master. Et pour récupérer le token, en gros, ce qu'il faut faire, c'est se connecter au master et se rendre dans etc kubernetes slash admin.conf. Et si on recopie l'intégralité de ce fichier dans un fichier qui se nomme config dans le répertoire qu'on a nommé .cube, ça va nous permettre d'utiliser kubectl grâce au token qu'on vient de copier dedans. Donc nous, on va le faire. Hop, voilà. Hop. Donc en gros, si vous régénérez votre cluster, vous êtes obligé de faire cette commande-là. Moi, en l'occurrence ici, donc je me connecte en tant que Vagrant sur kube master, hop, voilà, toc, ok, il ouais, faut que je rentre l'IP, alors 192.168.56.100, il me semble que c'est ça. Donc là, mon mot de passe, voilà, toc, et voilà. Donc là, on vient de faire le nécessaire. Donc là, si je fais un cube, donc je crois que j'ai même déjà, donc, ouais, voilà, get, hop, node, toc, voilà. Et vous voyez qu'ici, je vais retrouver, alors là, vous pourriez me dire, bon, c'est peut-être pas forcément les nœuds en question. Donc là, si je fais un tiret o wide, hop, et voilà, donc là on retrouve bien les nœuds en question sur lesquels on travaillait. Et donc bah, là je suis sur mon laptop alors que les autres bah, c'est tout simplement deux VM. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Avec ça on est paré pour travailler avec Kubernetes de manière un peu plus confortable. On verra après, il y a des petites habitudes à prendre aussi avec des watches, des choses comme ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, en parler autour de vous, le fait que voilà, il y a quelqu'un qui propose des tutos Kubernetes. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter aussi pour me dire bah, vous avez peut-être d'autres alias, d'autres astuces en termes d'utilisation du quotidien sur cet outil Kubernetes. Et je vous dis à très bientôt sur Xavki.